L'ex-Vizorek, oui. 8h57, à oui, vous. C'est grosse pression. Ouais. Dans Les Mémoires d'un touriste en 1837, Stendhal écrit « Ce que j'aime du voyage, c'est l'étonnement du retour ». Gageons que les clients de Thomas Cook cautionneraient la prose de l'écrivain voyageur à qui on doit le fameux syndrome de Stendhal qui consiste à être pris de vertige et à voir s'accélérer son rythme cardiaque à cause de la profusion de beauté artistique concentrée dans un seul endroit. Ça lui est arrivé à lui, à Florence. Mais bon, ça au moins, à l'hôtel Poseidon Playa de Benidorm, a priori, on est immunisé. Hein, on peut avoir des vertiges aussi, mais ce serait dû essentiellement au fait qu'on ait une chambre au 43e étage avec vue sur la piscine en forme de cœur géant. En revanche, on devrait être à l'abri d'un choc émotionnel stendhalien en contemplant les œuvres en pâte à sel confectionnées par les participants de l'atelier poterie. Là, on risque plus d'être victime du syndrome de Christine Angot, qui consiste à se sentir mal devant une création artistique dont on aurait pu se passer, comme les livres de Lassus mentionnés. Alors attention, je ne me réjouis pas de la fermeture d'une entreprise pionnière. Thomas Cook, hein, on l'a dit, organisa son premier voyage en 1840 de Leicester à Loughborough en Angleterre pour 500 militants luttant contre la dépendance à l'alcool de leurs concitoyens, contre l'alcoolisme. Et aujourd'hui, quand vous arrivez sur place, l'équipe d'animation de votre all-inclusive vous attend avec des cruches de sangria. La sangria, la boisson qui prouve que les Espagnols ne sont pas des alchimistes, puisqu'avec du mauvais vin et des mauvais fruits, ils réussissent à faire une mauvaise boisson nationale. Et puis, je ne me réjouis pas non plus pour les clients. Il y a quand même 600 000 personnes qu'il faut rapatrier dans leur pays. Bon, j'avoue que dit comme ça hors contexte, ça fait un peu slogan du Rassemblement National. Mais pour vous donner une idée, la dernière fois que autant de gens ont dû quitter l'Égypte comme ça dans la précipitation, ça date de Moïse. Hein, et là, le tour opérateur qui leur avait vendu du rêve a également disparu pour ne plus jamais donner de nouvelles, c'était Dieu. En revanche, je peux trouver ça cocasse que le McDonald's du tourisme soit monté à bord du Costa Concordia de la finance et sans prendre l'assurance d'annulation. Bon, j'ai le droit de ne pas m'enthousiasmer sur le tourisme de masse, comme l'avait si intelligemment photographié Martine Parr. Tourisme de masse qui, je dois le reconnaître, nous a quand même fait tirer des conclusions évidentes. 1. Le fluo, ça ne va à personne, sachons-le. 2. Au buffet à volonté, on ne met pas dans la même assiette des tagliatelles, des bulots et du sirop d'érable. 3. Le sac banane ne s'appelle pas comme ça par hasard. À la création, ils ont dû trouver un nom, ils ont hésité entre le sac banane et le sac baltringue pour rendre déjà hommage à ceux qui l'arboreraient encore fièrement en 2019. Loin de moi l'idée de me moquer des touristes, surtout sur cette antenne où on a plutôt une certaine affection pour ces gens-là. Pour preuve, Frédéric Becbédé est venu longtemps tenir une chronique le jeudi matin. Ben oui, c'est pas toujours un compliment le mot touriste. Les touristes eux-mêmes n'aiment pas être pris pour des touristes. Ils veulent éviter les autres touristes. Hein, pour preuve, quand Jean-Paul Sartre était allé au Club Med d'Alosseima, il avait déclaré « Les touristes, c'est l'enfer, et d'ailleurs, les touristes, c'est les autres ». Phrase qu'après, il a un peu simplifié. Bon, on n'est pas certain de cette version, Augustin, ne regardez pas comme ça, on n'a pas la photo de Sartre là-bas, mais apparemment, d'après un vieux géo tir à l'arc, il était assez bon dans cette activité, puisqu'il pouvait regarder et la cible et la flèche hein, en même temps. Bref, je conclurai sur ces quelques notes des vacances de Monsieur Hulot, que j'ai préféré à la musique des Bronzés, puisqu'avec ces deux classiques de la comédie s'opposent deux façons de prendre des vacances, l'un dans un hôtel familial breton, où un homme élégant profite des plaisirs simples, l'autre plus Thomas Cook. Merci Alex Vizorek.